free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you wish. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau match de X-Wing commenté. Comme vous avez pu le voir, nous sommes accompagnés avec du beau monde ce soir, puisqu'il y a Zaretas et Darth Hunter. Bonsoir. Hello. Hello tout le monde. Donc voilà, du beau monde pour commenter ce match. Un match qui oppose Monsieur Pamar à Monsieur Blissonneau. Sud-est contre le nord-ouest, on peut dire ça comme ça. La diagonale du vide. La diagonale. Et au milieu. Non, un petit non c'est l'autre diagonale. Diagonale du vide. Ouais. Alors, salut à Raftorman, salut à Magus, salut à Nebal. Lars est avec nous évidemment, salut J, salut Hotzer. Non, t'as pas mis la scène de Boba Patron. Non, c'est je, on m'a dit Boba Fett avec une dominante de couleur noire, j'ai fait mon possible, voilà. Il était très bien comme ça. Ouais, parfait, si ça t'a plu. Ah non, ah bah carrément. Et puis c'est, je préfère le Boba Vintage quand même. Ah bah, il a une petite classe, effectivement. Il y a un petit... Et puis ça permet de rendre hommage aussi à l'acteur qui malheureusement est décédé il y a pas longtemps. C'est clair, et puis elle est quand même mythique cette scène, pas de désintégration. Exactement. Ça rappelle des bons souvenirs. C'est clair. Alors voilà, alors pour ceux qui souhaiteraient, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, nous donner des surnoms. Bon, ce soir, je vais vous arrêter tout de suite. C'est trop tard. C'est trop tard. Je vous invite à parcourir un petit peu les listes des deux joueurs et à constater que malheureusement, le travail est déjà fait. Et ce travail est en grande partie dû à notre invité d'honneur du soir qui a fait un véritable travail d'exception, j'ai envie de dire. Oh, c'était comme collectif, là, le prince ciseau. Ouais, ça. Ouais, bon. Mais c'est vrai, ça fait vraiment la compo du coiffeur quand même. C'est exactement ça. Oh, et merci pour le sub, Hotzer, et de deux. Merci beaucoup. En plus, tu files des cadeaux à tout le monde. Énorme. Attention, Hotzer a voté 2. Ah, oula, peut-être que Golven va chuter ce soir. Non, Eruns, pardon, pas Hotzer, Eruns. Oui, parce que Eruns, il est habitué à parier sur le mauvais cheval à chaque fois. En général, si vous voyez Eruns traverser de la route, ne le suivez pas, hein. C'est pas une bonne idée. On sait jamais. Le chat noir. Le chat noir. Oh putain, on ouais. On ne fait pas face aux vultures ? Je suis étonné. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est de voir un déploiement, j'ai envie de dire, classique. Allo Golven, que se passe-t-il ? Alors comme ça, on se déploie en formation serrée. Bah alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être un peu de fatigue du côté du joueur nantais. Alors, c'est vrai qu'il est bien rangé en rond d'oignon. Ah bah là, je sais pas comment être plus rangé. Salut vrai cœur au passage, effectivement j'avais vu, mais j'avais pas dit bonjour. Ah si, tenez, je veux juste vous montrer. C'est la raison pour laquelle je vous demande de mettre de me filer vos logos sur la table. Je vais petit à petit tous les inclure. Donc n'hésitez pas si ça vous tente de voir le logo de votre escadron mis comme ça en place d'honneur, j'ai envie de dire, sur la table, voilà, n'hésitez pas à me le fournir.
Il est quand même vachement beau, celui qui est noir et jaune, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il en impose, il en impose. Aïe, aïe, aïe. Alors, messieurs, est-ce qu'on partirait pas sur l'explication des listes? Oh bah oui, allons-y. Tu prends la compo du coiffeur? Moi oui, à part si j'en trouve un prénom. Non, non, mais je t'en prie. C'était pour la blague. Ouais. Ah, moi, je suis très chaud. Hein. Je l'ai déjà rencontré. Je l'apprécie énormément. Et je laisserai l'expert de la CSI faire le job pour. Aïe, aïe, aïe. Bon, du côté de notre ami Yannick Pamar, on va voir quatre vaisseaux. Un premier, c'est. Je vais commencer par Xizor déjà. Star Viper. Souvent la quatrième roue du carrosse. Hein, je dirais la cinquième roue du carrosse, du coup. Est-ce que c'est le cinquième Star Viper qu'on ne voit jamais, quoi. Il y a deux génériques, et voilà. Et Xizor qui est un putain de génie. Hein. Tant qu'il défend. Non, mais c'est trop bien, moi j'adore ce pilote. Tant qu'il défend, après la neutralisation. Après l'étape de neutralisation des résultats, s'il y a un vaisseau allié à portée 0-1 dans l'arc d'attaque, il peut subir un dégât ou un dégât critique pour annuler un dégât reçu. Donc voilà, on connaît ce genre d'effet un petit peu avec par exemple Bistan qui a un X-Wing qui récupère les dégâts à lui, ou Phasma qui peut le faire, mais pas seulement dans l'arc d'attaque. Et sur Xizor, ça. Comment ? Biggs, pas Bistan. Bistan, c'est. Oui, Biggs, pardon. Biggs, oui, tout à fait. Voilà, et donc il peut le faire. Voilà, Phasma qui peut le faire apporter 0 tout autour d'elle. Pas besoin d'être dans l'arc d'attaque. Mais voilà, avec Xizor, là, on va pouvoir mettre un maximum d'équipement, faire un maximum de dégâts et se protéger avec ses amis. On lui a mis Lone Wolf, donc en gros, si on a des alliés prêts, on va pouvoir leur donner des dégâts. Et si on a des alliés loin, on va avoir une relance. Advanced Sensor et Post-Combustion, donc on voit pas mal sur les Star Viper, ça permet de pouvoir faire des changements d'orientation en tonneau avant de bouger, des Post-Combustion assez agréables, donc on va pouvoir vraiment replacer son orientation de Star Viper, et des Advanced Proton Torpedoes, donc on vient à P1, on verrouille, et on lance un saut de dés, c'est parfait. On a accompagné ça de deux cartels maraudeurs des Kirax, donc de la force de frappe et des sauts de points de vie et des réserves de points de vie pour Xizor, donc c'est parfait. Et on va avoir donc le truc sympa, un YT VP1, un YT 1300 VP1, un Faucon VP1, non nommé, et avec juste à l'intérieur, Hondo Onaka. L'intérêt est premièrement de faire bump la liste adverse, et deuxièmement, Hondo Onaka, on va coordonner et brouiller à portée 0-3, en ignorant les restrictions de portée, deux vaisseaux alliés, donc ça peut être les siens, ou ceux d'adversaire. Et donc on va pouvoir coordonner par exemple un vaisseau stressé adverse pour embrouiller un autre vaisseau, et dans ce cas-là, on a juste brouillé un vaisseau adverse, ou alors coordonner un de ces vaisseaux à soi et brouiller un de ces vaisseaux qui ne participera pas au combat, et dans ce cas-là, on profite que de la coordination. Voilà, on peut s'adapter, à savoir que Hondo Onaka est un des rares moyens que les séparatistes ont de coordonner. Voilà. Des racailles et scélérats, oui. Ce que j'ai dit, des bêtises. Oui, des racailles et scélérats. Bah, du côté des séparatistes, on a un bon moyen de coordonner dans la liste, puisqu'on a DBS-32C. Vraiment, le pilote devrait s'afficher, lui, il est pas tout neuf. Voilà, DBS-32C, début de phase d'engagement, on peut dépenser un calcul et on peut coordonner. Cela dit, on ne peut coordonner que les vaisseaux qui ont Networked Calculations sur eux. Ça tombe bien, puisque Golven n'a que des vaisseaux qui ont Networked Calculations. DBS-32C a à son bord le droïde, le relais tactique Kraken, qui permet de garder jusque 3 calculs sur 3 vaisseaux différents en phase de dénouement. Pour accompagner ça, hop, un chasseur qui ne va pas s'afficher parce qu'il est trop récent. L'intercepteur séparatiste, initiative 3, nouvellement sorti. Calcul esquive, verrouillage, tonneau esquive ou accélération calcul sont toutes les actions qu'il peut faire. On attaque à 3D, on défend à 3D, mais on n'a que 3 points de vie comme les vultures, donc on meurt tout aussi bien, mais on défend un peu mieux et on attaque un peu mieux. Et c'est toujours agréable de constater ça.
Avec ceci, comme dirait la boulangère du coin de la rue, vous avez 3 vultures avec missiles Discord. En l'occurrence, et pour cette partie, vous aurez le globule rouge, le flamant rose et le vert pomme, qui ont donc tous les 3 des missiles Discord. Et enfin, il en reste 2 qui sont AWLP. Orange is the New Black et ce rêve bleu. Voilà. Un total de 7 vaisseaux avec un relais tactique, un coordinateur. Et voilà, plein d'options. Faites vos paris et voilà. Un beau potentiel. Et c'est 2 listes qu'on a déjà vues en live ici, c'est ça hein, si je dis pas de conneries. Exactement. On les a déjà vues. Le round précédent, c'était toi contre ce cher Yannick. Ouais. Et Kelven était contre. Je sais plus. C'est une bonne question. Il était contre qui déjà, Kelven? T'en bouge pas. Pose la question. Alors que je vois que les joueurs ont déjà commencé à foutre en l'air ma table. Les logos ont été bougés. Allègrement et sans mon consentement, va falloir que je remette un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Ah oui, et là on a. Golven oui. Jouait contre Mouchou. Ah oui. Ah oui, Mouchou. De République. Tout avec un V-Wing, Wolf, Anakin et Obi-Wan. Mm. Yes, exact. C'est vrai. Oui, donc on vient se placer à gauche. Oui, on va essayer d'intercepter. Les vaisseaux Rakaï sur le côté, hein, on n'a pas continué tout droit. C'est assez étrange le choix de Lone Wolf quand même, vu la capacité, peut-être que c'est pour la fin de game. Il me semble que c'est ça, on en avait discuté la dernière fois, il me semble que c'est ça. Et aussi parce que le Star Viper peut se retrouver assez éloigné, quoi. Et que, enfin, dans certaines conditions. Le truc, c'est qu'on va pas trop le voir. Peut-être qu'on va voir un peu la même stratégie qu'il avait abordée contre moi, vu que j'avais une certaine Alpha Strike avec ma liste. Il avait eu peur de ça. Et que je pense qu'il va avoir peur un peu de la même chose. Donc, il va peut-être avoir la même stratégie, c'est-à-dire que d'envoyer son. D'ailleurs, c'est qui a l'initiative? C'est Golven. C'est Golven, d'accord. Donc oui, ça va être compliqué d'essayer de faire bump avec le faucon, donc peut-être que je dis des bêtises. Mais sa stratégie, ça avait été d'essayer de chercher à faire bump mes vaisseaux avec son faucon, ce qui avait plutôt bien marché. Et bon, là, ça va être difficile, vu que la quasi-totalité de la liste de Golven est VP1, ou du moins la frontline est VP1, évidemment. C'est clair. Et du coup, oui, et bon, voilà, Xizor était resté très proche des cartels, du coup, il n'avait jamais eu besoin du Lone Wolf. Mais je me dis, dans une situation où il est plus en position dès qu'il est en surnombre, peut-être que le Star Viper se permet de s'éloigner. Du coup, peut-être que son Lone Wolf peut devenir intéressant. Ouais, non, c'est sûr. Après, ça aurait pu peut-être être une petite tactique de nuit. Je sais pas si en termes de points, c'est la même. Oui, il aurait économisé 2 points avec la tactique de nuit. Ou 1 point, il me semble. 1 point, je crois. Ça aurait fait un petit cartel, un VP4 pour tirer. Mmh. C'est vrai. Et ça se défend, le Lone Wolf. Hein. Mais, disons que le tactique de nuée aurait pu servir à tous les tours. Quoi. Oui. Je me dis aussi, effectivement, même des trucs plus classiques, comme un prédateur, ça aurait pu rester intéressant, parce que ça reste une relance. Mmh. Mais effectivement, c'est pas une relance en défense. Quoi, donc... J'en profite pour ramener sur le tapis le fait que j'ai eu le temps de préparer le fameux gif dont nous avions parlé plus tôt. Donc si notre ami le Vulture Rose fait des miracles, vous aurez le droit à un nouveau. Voilà. Aïe aïe aïe. Mais ça ne se sort qu'en de très rares occasions, c'est comme le champagne, faut savoir l'apprécier. Dixit le mec qui boit pas, mais en l'occurrence on s'en branle. Voilà, donc si jamais le rose nous fait des trucs incroyables ou s'il venait à mourir de façon tout à fait étrange, comme dans toutes les games jusqu'à présent, eh bien voilà, on sortira le gif en question. Comme quoi, peut-être que stratégiquement il faut qu'il choisisse à l'avance s'il faut qu'il prenne, voilà, est-ce que dans sa stratégie, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit. Le rose porte un Discord ou non, voilà. Il peut adapter sa stratégie par rapport à ça. Absolument. Rapport aux conditions mystérieuses de la disparition du rose. Absolument. Salut Calamar, bienvenue. Ça peut devenir une stratégie à long terme. Hein.
Ça peut, ça l'est déjà, s'il faut. Oui. Ah, il en est tout à fait capable. Et là, c'est un connaisseur qui parle en plus. Hein. C'est un spécialiste pour essayer de rentrer dans le cerveau des autres. J'ai cru comprendre qu'il discutait beaucoup. Genre, ouais. Beaucoup. C'est pas le pire. Les paris sont toujours ouverts, c'est bon. Je fais mes check-up en même temps. Hein. Tant que c'est dans le cerveau. Oh là 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 là. Secours. En ce moment, il va pas pouvoir. Hein ? Allô ? Quoi ? Oui, on peut rentrer dans le cœur des gens en les marquant. C'est beau. Voilà. C'est beau. Y a-t-il cru une seule seconde ? J'aurais... Non, mais j'essaie de réélever le débat un minimum. Ça n'élève pas le débat. Est-ce que le faucon là il y ferait pas un 3 serré vers la gauche histoire de contourner parce qu'il faut mieux pas qu'il se présente en face quand même. C'est sûr que ça ressemble pas à une bonne idée. Est-ce que la tourelle est à l'avant-arrière? Pour l'instant on est pourquoi est-ce qu'on prend des verrouilles? Ah oui, on veut prendre des verrouillages partout pour éviter que l'éventuel brouillage de Hondo ait une importance trop grand. Ouais, voilà, c'est ça. Intéressant. On se retrouve avec le choix. C'est vrai que oui, on n'y pense pas. Enfin, moi je n'y pense pas, mais c'est une bonne stratégie, quoi. Les tours de départ, il faut prendre un maximum de verrouillage. On s'économise. En fait, c'est économiser des problèmes. Après, je suis plus sûr. Qui décide du token à enlever? Est-ce que c'est la personne qui brouille ou la personne qui est brouillée? Il me semble que c'est la personne brouillée. D'accord. Ok, ok. Ouais, donc effectivement, ça paraît logique. Oui, effectivement, ça semble être une contre assez facile à même tout ce qui peut être des false transports, les code de transponder falsifié, des choses comme ça. Mmh. De prévoir des verrouillages à l'avance. Il me semble que c'est le contraire, mais Hondo a une rédaction particulière. En tout cas, c'était un léger de la part du faucon, donc on va y aller en frontal. Hein. Ouais, il peut encore faire un... S'il fait un 2, il a l'air carrière, mais... Oui, tout à fait. On n'est pas commit de chez commit, mais... Du coup, il y a du 2... Enfin, du 1 léger... Mais je pense que malgré sa capacité à... Malgré sa non-capacité à faire dump les vultures, hein, du moins avec une avance en initiative, je pense qu'il va quand même tenter... Enfin, je pense que ça se voit qu'il va quand même tenter d'envoyer le faucon en plein milieu pour gêner ses vultures le plus possible. Mmh. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que c'est ce qu'il va faire. Effectivement, ce faucon ne vaut que 47 salut points. Salut Chewie, salut Cote Cote. Si bien, oui. Bienvenue. Alors, pour les points, c'est effectivement 47 points pour le faucon. Ah, mais le problème, c'est que c'est. Faut que tu prennes deux vultures. Plus la moitié d'un vulture pour que ce soit rentable. Oui, absolument. Ouais. Ou alors deux vultures Discord, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand on a une économie d'action comme celle des séparatistes. Oh, merci Chewie. Sub, incroyable. C'est le deuxième mot incroyable. J'avais pas vu c'est quoi ces noms de vaisseaux. C'était le travail en commun d'esprit. Ah, faudra que je regarde ça. C'est avec Prime, Amazon Prime. Ouais, c'est ça. En fait, ah oui, putain, je vais pouvoir faire le couplet MV. C'est parti. Grâce à Twitch Prime, vous pouvez. Non, c'est grâce à Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch, votre compte Amazon, et obtenir un abonnement gratuit sur une chaîne Twitch de votre choix. Alors, n'hésitez pas. C'est top, voilà le premier tir qui est parti. Ah oui, donc je vais close les bettings.
Et oui, non, les noms de vaisseaux. Et oui, non, mais il y a une grosse partie. Tous les Vultures ont été renommés par. Oui. Par Zeran lui-même, évidemment. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir du côté d'Yannick? On prend un peu cher. On commence à prendre des coups. Ouais. On va dépenser et on va en prendre un. Le premier bouclier qui saute. Ouais. Alors, Nebal qui dit... Ok, la fac pour Rondo précise qu'en cas de coordination d'un vaisseau ennemi, c'est le vaisseau coordonné qui choisit l'action. Mais pour le brouillage, je crois que ça reste la règle normale. Et c'est le brouilleur qui choisit. Ah, d'accord. Ah ok, intéressant. Mais moi, je crois me rappeler que sur le brouillage, j'ai toujours joué, c'est le brouillé qui choisissait l'action qu'il en... le token qu'il enlevait. Je crois, mais je dis peut-être des bêtises. Hein. Écoutez, je vous invite à commenter, je vous laisse. Et moi, je vais aller faire mes petites recherches. Pense toi. Il me semble que je dis sûrement des bêtises en vrai. Parce que je commence à vraiment à douter et je crois que je vous dis n'importe quoi. Alors, la doc officielle et le guide de référence, on est parti. Un document que j'ai sur le bureau, évidemment. Mais je me rappelle l'avoir lu et que j'avais pas réussi à être certain en regardant le rules reference aussi. Brouillage, c'est... En anglais, c'est jam. Jam. Un petit J. Ouais. Et un petit J comme... J'en ai rien à carrer. Alors... The player whose effect caused the ship to gain the jam token chooses for the ship to either remove one of its green token or break one of its lock. Donc c'est effectivement le brouilleur qui choisit. C'est le brouilleur qui choisit, d'accord. Ouais. C'est ça. Ouais. Celui qui a effectué la... Enfin, qui a mené à la conséquence du brouillage est celui qui choisit la conséquence, tout simplement. Ça me semble. Et dans ce cas... Et dans ce cas, quel intérêt avait Zeran? Peut-être qu'il ne connaît pas bien le règle, alors peut-être, mais j'ai du mal à le croire. Quel intérêt il a d'avoir donné des verrouillages, du coup? C'est une bonne question. Vraisemblablement, à l'heure actuelle, aucun. Mais peut-être, justement, est-il en train d'entrer dans la tête de son adversaire? Je pense, je le soupçonne. Il faudrait que je fasse une émission hebdomadaire Décryptons Zeran. Ouf, le bordel. ça sera la conclusion de l'émission. Allez hop. Au revoir messieurs dames. Merci d'avoir regardé le stream. Ne vous lancez pas dans cette aventure, vous pourrez périr. Aïe aïe aïe. En ce moment j'ai pas de temps à donner malheureusement, mais un jour peut-être. C'était le combienième tour ça? C'était le deuxième, hein, si je ne m'abuse. Bientôt le troisième tour. Non, c'est bizarre, il y en a eu trois quand même. 1, 2, 3. Non, c'était le troisième, pardon. Ça va être le quatrième là qui va commencer. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Place les target logs histoire de bien nous les montrer. Yannick va tomber dans le panneau. Salut Kat, bienvenue. Et les paris sont fermés malheureusement, il y a déjà eu un engagement. Vous n'avez plus le droit de dépenser vos sous. Quel choix il va faire avec le faucon? Ça m'intéresse. En fait, j'imagine soit un 3 serré sur la droite, mais le problème c'est qu'on s'éloigne beaucoup du combat, soit un 3 tout droit et peut-être une accélération.
ressembler à un truc comme ça on est passé, mais encore une fois on s'éloigne un peu du combat malheureusement. Mais on reste à portée de Hondo notamment, et on a le champ libre pour faire des actions tous les tours. Ouf. Ah tiens, un petit 4 tout droit. Je me demande si le 4... J'ai pas envie de dire une connerie. Est-ce que le 4 est rouge? Non, le 4 oui, est pas rouge. On a fait le tournoi en avant, je crois. Ouais, il semble. Ouais, forward. Justement pour bloquer un éventuel 1 tout droit. Parce que si on ne faisait pas le tournoi en avant, on ne bloquait pas le 1 tout droit. Si on le faisait au milieu, on restait bien aligné, il pouvait s'aligner. Tandis que là, on le bloque. Là, on vient bloquer tout ce qui pourrait venir en serré. Oui. C'est Chewie Powa qui dit c'est qui dans le faucon. C'est le Capitaine Freezer. C'est le Capitaine Freezer. Non, c'est le générique. Initiative 1, c'est le générique. Ah, et là, par contre, on a effectivement bloqué la route de sortie du faucon. Ouais, et là, le faucon, ouais, il va pas pouvoir aller nulle part. Voilà, il est bloqué. À part partir en serré à gauche. Oh. Ce qui est pas complètement idiot non plus. Bah alors, on a mal placé ses vaisseaux, ça bump. Alors. Oh, est-ce qu'il va passer? Oh, J'y ai presque cru. Donc là, effectivement, il faut espérer ne pas bump avec les cartels. Hein. Peut-être qu'on a fait du 1, peut-être qu'on est parti en léger. Faut pas se faire. Un petit tout droit peut-être. Ouais. Ah, on avait du 2. Parce que là on va enchaîner les bumps. Et voilà, et peut-être que Zizor a fait la même, donc on va peut-être se retrouver avec une escouade complète sans action. Ouais, et okay, il a l'advanced sensor au final. Oui, c'est vrai. Il a l'advanced sensor, oui, tout à fait. Absolument, c'est bien vu. Ça sent le buzz. Ça pue le buzz même. Même avec l'Advanced Sensor, ça voudra dire qu'il n'aura pas d'action à modifier. Et malgré les tonneaux possibles, il pourrait boost. Alors j'ai changé l'angle de la caméra pour qu'on puisse voir un peu plus le merdier. Un tout droit de la part de DBS et visiblement un 2 léger, j'ai l'impression, de la part de notre ami l'intercepteur séparatiste. donc voilà. Alors, et l'intercepteur qui va justement prendre un verrouillage sur le cartel rouge. Ah non, peut-être pas. On réfléchit. Bumper arrête de bumper. Au secours. Au final, il n'y a pas tant de calculs que ça sur la table, je me rends compte. On a une coordination avec DBS. Et au final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fait que le rose est pump, ça va peut-être générer un petit manque. Surtout que le rose est équipé d'un missile Discord. Donc c'est important qu'il n'ait pas son calcul. Après, je suis pas sûr qu'il serait passé de toute façon. Mais on ne le saura jamais. Alors ça c'est DBS, je suis... Non en fait non, c'est... Pardon, on est en train de vérifier la portée pour le séparatiste. J'ai trouvé un angle de caméra qui soit à la fois satisfaisant pour les arcs et en même temps pas trop dégueu niveau... Et on a déjà donné le target lock, hein, oui c'est ça. On a coordonné... Ah non. Non, c'est toujours l'action du séparatiste interceptor, ouais. Ah oui, donc il est double modifié pour une attaque, ça peut être sympathique. Et il ne s'attaque pas à Hondo, il va essayer d'aller attaquer directement le cartel. Hein. Ouais, un choix, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix du coup de mettre une cible sur la tête d'un cartel plutôt que du porteur de Hondo? Ce sera peut-être plus facile à terminer, je sais pas. C'est peut-être eux qui font le plus mal aussi. C'est ça. C'est vrai. Parce que ce que je me dis vraisemblablement, c'est que le faucon il risque d'avoir du mal à avoir des actions jusqu'à la fin de la partie. Au final, c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est pas fait.
Ah, Xixor qui va donc faire un tonneau en léger sur la droite. Non, tonneau en léger, on n'a pas le choix. Hein. Sur la droite. Et du coup, c'est un 2 tout droit. Ouais, c'est ça. Et qui avait prévu un 2, donc qui est obligé de faire ça et qui pour ne pas bump. Mais du coup, qui n'attaquera pas, il me semble. Hein. Et bon, qui se place un peu sur le côté, mais voilà. Qui s'il veut attaquer plus tard, devra vraiment contourner le gaz ou quand même rentrer dans le combat. Donc c'est pas une position idéale non plus. Effectivement, je pense que c'était pas ce qui était anticipé par Yannick. Il a dû s'adapter au vu du bump enchaîné. On pourra faire un 3 léger boost tonneau focus et se retrouver derrière la nuit de Vulture. Alors avec TBS on a choisi de ne pas coordonner, ou alors peut-être qu'on ne l'a pas encore fait tout simplement. Alors on lance le buzz et ça touche. Ça va toucher à l'arrière, cela étant. Le Kirax hein, qui se retrouve avec une. Une tourelle. Grosse tourelle pour un petit vaisseau. Attendez, parce qu'en plus il y a un petit souci, il y a deux tourelles sur le vaisseau, c'est une des raisons pour lesquelles. Voilà, parfait. Hop. Michel le plombier est là pour vous. Hop là. Le petit freeze. Tout va bien. Le rouge qui va donc dépenser son droid buzz. Clac, clac, c'est fait. Le rose qui prend un calcul pour quelle raison? DBS, la coordination. Ah oui, 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 oui. Ah oui, il l'a fait maintenant. Mm-hmm. Pendant c'est en début buzz. De phase d'engagement. Oui, comme les buzz. Tout à fait, tout à fait. En même temps. Ouais. Oui, mais il ne pourra pas lancer le buzz puisque à cause du principe de fil, justement. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Non, moi je tirerais tout de suite sur le rose pour foutre un coup au moral de Zeran. Alors on va se remettre la caméra normale pour les jets de dés. Avec DBS qui entame la danse et qui tire donc sur le Capitaine Freezer. Putain, faut le renommer comme ça, hein, sans déconner, bien plus classe. Hein. Oh, ça fait deux touches. Rien. Du faucon qui va en prendre deux de plus. Ouais, et qui va peut-être descendre rapidement, on va voir ce que ça donne. Parce qu'on est sur, pour l'instant sur les attaques avaient apporté 3. Ah voilà. Et on commence, oui ok. Et on voilà, on va attaquer celui qu'on a verrouillé, le cartel. Pas sûr qu'il fasse le tour quand même. Ça peut être compliqué, oui. L'important c'est le rose. Oh bah. Pas terrible comme premier jet. Non, il manque un petit dégât là. Sur l'autre. Oh ah, c'est un jet bien pire. Ah oui. Et il avait un lock, d'accord. C'est ça, ouais. Ah bah c'est beau. Héroïque. Et là, héroïque. Petit droïde héroïque là. Ah, si on était dans Armada, il y aurait peut-être une relance supplémentaire. Mais non. Ou dans, ou dans Légion d'ailleurs, au passage. Paye ton lock. Ah ouais, voilà. Là, on va lancer 4 dés sur les rouges. Moi, je m'amuse à mettre sur mes Kirax maintenant, quand j'en prends avec un emplacement de temps, à leur mettre intrépide. C'est très amusant. Voilà. Si je peux vous conseiller. Ouais, intrépide, par exemple, ça ferait 3 touches. Là. C'est merveilleux. Ouais, je peux valoir le coup avec un petit afterburner qui baisse le prix. Oui. Alors, du coup, ça fait. Les gars sur le rouge, et on va avoir 4D à nouveau, j'ai l'impression qu'on va avoir 4D à nouveau. Alors,
Ah non, c'est une portée 2 malheureusement. Ouais. Et est-ce qu'on va dépenser un calcul? Bon, sûrement on prend plus d'attaque après, ou juste le VP1. Normalement les portées ont été réparées, en tout cas c'était le... Ouais, c'est bon, ça a été réparé. On prend le calcul du orange, et effectivement on prend plus d'attaque après, donc autant dépenser. Ah c'est... Oui, c'est surprenant l'orange. Ah oui non, parce que le rouge n'en a plus, ok. C'est ça. On voulait pas dépenser celui du bleu parce qu'il est très proche, donc... Oui. En fait le bleu il couvre la zone du orange, du rose et du rouge. Son calcul est beaucoup plus impactant que celui du orange, qui lui a une couverture également via le vert, le rose et l'intercepteur. Donc... Oui voilà. Ouah, et ben on s'est bien rattrapé. On attaque le cartel là, oui forcément. Ouais. Ouf. Et donc là ça veut dire qu'il y a un crit. Il y a deux crits qui vont être pris, plus le crit du Discord à la fin du tour. Ouais, si là il y a une fuel leak. Alors, c'est une fuel leak là. C'était une fuel leak le premier? Non. Il me semble. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette carte du coup? Out. Ah oui, il l'a réparé direct et il a pris un dégât supplémentaire. Donc, fuel leak qui l'a réparé direct, un coup au but qui en donne un de plus et ensuite le dernier. Ok, donc le rouge est déjà mort. What the fuck? Oh, ça c'était efficace. Hein. Fuel leak, direct hit. Et voilà, le fameux combo qui fait 4 dégâts instant. Bon, malheureusement, le buzz qui ne servira à rien du coup. Peut-être Zeran. Si, il reste un PV encore au Kirax. Ah oui, pardon, c'est 5 points de vie. Donc il peut, voilà, en une seule attaque, il se dit que. Enfin, bah, une seule attaque si on ignore celle du. Celle de l'intercepteur, oui. Celle de l'intercepteur qui a raté, voilà, il va pouvoir se passer d'attaquer ce cartel qui a déjà attaqué en plus, donc il peut le laisser vivre et s'attaquer au reste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit au deuxième cartel, soit au faucon. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que le cartel, le faucon a déjà pris 3 boucliers? On n'a qu'un seul dé de défense, ouais, on va attaquer le faucon. Ouais, c'est peut-être le moment en effet. En plus, oui. le rose et l'orange pourraient ne pas voir le cartel jaune, donc autant maximiser les tirs. Ouais. Et pareil, ça va être déjà un crit sur le. Aïe. Blinded pilot. Alors, il faut prendre une touche d'abord. Non? Oui, tu as raison. Pourquoi y en a qu'un seul? Ah, attends. Peut-être aller ping ça. Ah, c'est bon, ça y est. C'est une hull breach, et oui. C'est décidément beaucoup plus grave. Tu portes vraiment la poisse. Hein. Ah ouais, bah là c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Oh, ils vont me détester. Non, mais c'est dingue, hein. Ils vont me détester. Oh putain, ça y est, ils sont repartis avec sur le chat. C'est pas possible. Aïe, les Zeran, ça à la fin du tournoi, il y aura une sorte de prix d'honneur du plus poisseux. Salut Ganon, bienvenue. Alors, j'ai pas vu ce que ça donnait, il y a eu un dégât. Loose Stabilizer. Oh là là, ça c'est pas bon non plus. Hein. Oula, on a relancé les tokens au passage. Ouf, oh. Ça veut dire un crit encore en plus. Ouais. Au moins. Voire deux. Ouais, bah deux crits en plus. Aïe. Une fuel leak. Donc ça veut dire encore deux crits. Ah, ça peut être la fin de. Non, là on a pris le dégât. Ouais. Alors voilà, c'est effectivement pourquoi pas. On peut faire comme ça, ça changerait pas grand chose. Alors du coup, fuel leak, le deuxième critique, un loose stabilizer une nouvelle fois. Encore. On répare fuel leak et on prend un dégât supplémentaire qui est également un dégât critique dû à la hull breach. Alors il faut retourner celle-là. Parfait. Stunt pilot. Pilot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 2 PV au faucon. Fuel leak. On a pris. Vert, comme... Ah ouais. Et stunned.
Il reste 2 PV au faucon, et s'il ne va pas tout droit, il meurt hein, au prochain tour. C'est-à-dire, s'il survit à ce tour, il est obligé d'aller tout droit, parce qu'il lui reste 2 PV, mais qu'il a 2 loose stabilizer. Ah oui, c'est vrai, absolument. Tu peux pas tester le NS, impitoyable. Bah, le chat est en délire. Non. Ah bah, ça va en faire un de plus. Un petit direct hit, histoire de... Non, pas du tout. Non. On n'aura même pas le... Oh là là, et j'ai pas assez de place hein, sur l'écran. Le YT qui actuellement, le pilote du YT qui actuellement tient par ses mains la coque de son vaisseau. C'est-à-dire que il raccroche les morceaux. Il a foutu de la super glue sur les pieds, il est en train de tenir la carlingue. Bon, je pense qu'il est même sorti du cockpit et il se tient juste qu'avec son sèche-cheveux. Hein, tout à fait. C'est plus un faucon, là, c'est une poulette des plumes. Ah bah oui. C'est pas grand-chose. Hein. Non, mais préparez la sauce aux RL, c'est parti. Hein. On va la manger pour Noël. À moins qu'on ait un Zigsaw en feu après. Absolument. Ouais. Ah, il nous reste le rose alors. Ah, j'ai... Alors, si le rose tue le faucon... Ah non, pardon. On attaque, c'est l'attaque du côté de... Mais je pense qu'on s'attaque au rose juste par provocation. Exactement. Je peux pas bet et celui sur lequel je voulais bet est en train de gagner, c'est honteux. Eh oui, bah, il fallait arriver plus tôt. Ça, c'est... C'est pas mon problème, j'ai envie de vous dire. Le critique, du coup, sur le maraudeur... Ah oui, effectivement, je l'avais tué un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, de toute façon il meurt. Disabled Power Regulator. Hop là. Et on a un faucon à un PF qui peut aller que tout droit. Voilà, voilà. Alors du coup pour Kraken, il va falloir enlever un calcul du vert. Et on sera bon pour la phase de dénouement. NS is money. Il va falloir enlever parce qu'il reste un calculate sur le bombardier aussi. Hein. Donc il y a 5 calculs qui restent encore. Ah oui, tout à fait. Alors est-ce qu'on est en train de calculer ou on est déjà sur les manœuvres du prochain tour? Je vais aller. Hop. Je vais bouger un peu, faire un petit peu d'exercice. Ah mais il enlève tout. Non. Que fait-il? Il les lance de rage. Voilà, il cache le temps, mais c'est pas grave, c'est son horloge qu'il cache. Là, mais il en a enlevé... Ah non, il en reste. Non, c'est ça, bombardier, trichasseur et... Et voilà. Et le dernier, je le vois pas, mais je sais qu'il y a. Je sais plus si c'est le bleu ou le vert, mais... Ah, en tout cas, quand on voit le faucon, on se dit que la vie sans critique, c'est pas mal. Hein. Oui. Le NS et les bêtes, ça va finir comme les Karabatic chez Montpellier. Putain, mais c'est pas possible. Excellent. Rafterman qui est dévoué. Pardon. C'est beau un tel dévouement, c'est... Tu sais soulever les foules, hein, tel Gandalf, il suffit que tu dises chut et tout le monde t'écoute, c'est incroyable. Ils font semblant. Ah, c'est moins vrai IRL, c'est ça? C'est ça. Imaginez pas comment je souffre. Entendez ce soir la complainte d'un homme qui souffre à vous gérer tous les jours. Oh là là, quel enfer. Bon, j'ai l'impression que ça ressemble encore une fois à une partie un peu tronquée là, hein, parce que Yannick, finalement ouais, on va devoir meubler pendant 38 minutes quoi, j'ai l'impression. Hein. Là ça va être compliqué. Ouais. Parce qu'au final, sur ce tour-ci, hein, pour rappel, un dégât sur le rouge du côté de Yannick et du côté de Riven,
6 dégâts sur le maraudeur, au revoir monsieur le maraudeur, et la bagatelle de... Il y a combien? Il y a 11 points de vie, donc 10 points de dégâts sur le faucon. Non, 9 points de dégâts sur le faucon. Voilà. Et le Star Reaper qui est pas hyper bien placé à mon goût. Il a du choix quand même, mais bah, bon voilà. Le problème là, c'est qu'il reste quoi? Allez, on va dire 5 tours. Ouais, grand maximum, ouais. Ouais. Grand max. Hein. Même un Vulture par tour. Ah oui, non, c'est très compliqué là. C'est vraiment très compliqué. Sachant qu'il va perdre la moitié du faucon, non, ça va taper à 80, faudrait qu'il perde plus rien, quoi. Mais comme je disais, le Star Reaper peut peut-être quand même se retrouver derrière. Hein. 3 léger, post-combustion, tonneau, focus, c'est faisable. Mais bon. On nous dit, je ne sais pas qui est ce nouveau commentateur, mais quelle voix sexy. C'était la meilleure réaction. Il con. Triple Axel Vrillé, point de salto. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est un putain d'athlète, hein, Zizor. N'oubliez pas qu'il s'appelle Prince Ciseau. Hein. Pas pour rien. Hein. Il fait les ciseaux là avec ses jambes et tout. Hein. Chut, chut, chut. Aïe aïe aïe. Ouais, là ça bump quand même. Mais en vrai, c'est pas gênant puisqu'on vient emmerder le faucon hein, qui va aller tout droit de toute façon. Donc... Oh là là, ah oui, par contre, on a décidé d'aller faire la scène de taxi là, non? C'est pas ça? Moi j'appelle ça une partouze, personnellement. Ah ouais, là je pense qu'il se lâche. Mais moi ça me fait penser, vous savez, à cette scène dans Taxi là où tous les flics se rentrent dedans et ça finit par faire une montagne de bagnoles. Voilà. Exactement. Ça me fait penser à ça. Ah, bizarre. Qui passe hein? Et il passe. Oh. Il est allé assez vite, hein. C'était. Yannick. Au poil de cul, mais ça passe. Quel talent. Quel talent. Ouais, attendez, je vais vous montrer ça. Golven, tu vas voir, il a voulu faire le con, il va le payer. Qu'est-ce qu'on prend? On prend rien du tout, hein. Stunt Pilot, c'est bon. Loose Stabilizer, c'est bon. Donc ça on prend rien pour l'instant. Ah ouais? Il se passe rien. Non, c'est passé comment ça? Oh là là. Un poil de Wookie. Un poil de Wookie, ouais. Ouais, c'est... C'est épais, quand même. C'est un sacré poil de Wookie, ouais. Le cartel, qui quand même, va prendre une saucée. Ah bah là, hein. Tu t'appellerais Fenro, à la limite tu peux t'en sortir. Mais là, bon, ouais. C'est pas Fenro qui veut. Hein. J'ai un petit Aix-en-Provence qui pop derrière, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi. Ah, on vient faire bump le DBS pour continuer de voir le faucon, j'imagine. Ah oui, non, parce que ça allait bump de toute façon. Et comme ça, ouais, le intercepteur séparatiste a pu bouger. Est-ce qu'il a bump? Oui, il a bump aussi, d'accord. Mm-hmm. Ouais, là, si DBS arrive à finir le faucon, ce qui vraisemblablement sera le cas, on aura un problème de moins à gérer. Absolument, absolument. Alors, le faucon qui a fait une action. Ah non, parce que le panic pilot qui l'a empêché. C'est ça. Ouais, et donc, on a un 3 léger. Ah, le boost sur le côté ne passe pas. C'est... Cela ouais, dit, c'est le boost... Tout... Cela dit, le boost tout droit pourrait suffire, sauf qu'il y a un nouveau focus. Mm-hmm. On esquive quand même pas mal de tirs et on se place pas trop mal. Et malheureusement, on l'a tenté sur la gauche, ça ne passe pas à pas grand ouais. Chose, mais ça ne passe pas. Donc, une charge d'afterburners pour rien. Oh merde. Ouais. Vraiment pas grand chose. Hein. Ça passe pas à grand chose, hein. ça aurait été superbe. Hein. Le débriefing va être salé par le patron. Le boss. Bon, il fait le taf là pour l'instant que je dis. Ah oui, mais... Ah oui, non, si, pardon, j'ai rien dit. Et oui, tout à fait.
Donc on a fait son petit tonneau, on a pris son petit focus, on a mis son petit goûter dans son cartable et on va essayer de faire un truc. Pardon Yannick, hein, mais à ce stade je pense que tu ressembles plus à un écolier qui essaye de tabasser un videur de boîte de nuit qu'autre chose, donc ça va être compliqué. Aïe aïe aïe, quelle comparaison. Ah, pour sauver l'honneur, faut juste qu'il bute le rose. Exactement. Est-ce qu'il va choisir d'attaquer le rose? Alors, tout est à portée 3, je pense que c'est l'heure. Là, du coup, je me ferai un plaisir d'intervenir sur le fait que Zeran a lancé trop de dés, peut-être, et du coup, un one-shot du rose. En vrai, ça fait du sens, puisque y en a, parmi ceux qui ne sont pas obstrués, il y en a un qui y a un dé en un calcul. Ah mais non, il y a le jaune. Et l'euro, en fait, c'est le rôle à attaquer le Zor, donc. Oh, mais fallait attaquer le rose pour te Yannick. Et on dépense. Et oui, là, on se protégeait de l'attaque du rose, en plus. Oh là là, mais Yannick, fallait attaquer le rose. Ça, c'est pour rien, il meurt pas, donc. Non, je pense qu'on va avoir pris un calcul. Ah si, on prend les 3. Ok. Ça, c'est étonnant. Oui, donc on veut mourir. On veut crever. Bah, je pense que oui, c'est peut-être important d'être certain de pouvoir finir le cartel, peut-être. Je sais pas. C'est possible. Ouais, et puis disons que, comme il y a deux critiques, c'est potentiellement un direct qui part aussi. Ouais, c'est compliqué, je sais pas. Je pense qu'il a envie de garder ses calculs. Ce qui n'est pas une mauvaise opération en soi. Ouais, c'est cadeau. Ouais, et puis au final, bon, là, Yannick, il a marqué 20 points. C'est offert par la maison. Oh. On cherche l'optimisation. En plus, c'est hors taxe, il y a même pas les Discord. Allez, une portée, une sur le faucon. Ouais, 5 grandes surprises. Oh. Une touche. Ça pourrait être esquivé. Là. Allez, mon petit, au bout. Et ça l'est. Et ça l'est, le faucon qui va troll la partie jusqu'à alors, la fin. Cela dit, pour mémoire, hein, le faucon est mort. Donc ça ne change rien, puisque s'il ne va pas tout droit, il prend un dégât. S'il passe à travers l'obstacle en allant tout droit, c'est ce qu'il va faire, il prend un dégât. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le faucon que... est mort. Hein, je pense que du côté de Zeran, on aurait peut-être dû attaquer le cartel en sachant ça. Parce que là, le faucon n'a juste aucune optique pour s'en sortir. C'est tout à fait vrai. Ouais, c'est clair. Putain, mais Rafterman, il me fait trop rire. Attends. Ah, et donc ce calcul qu'on aurait peut-être pu dépenser hein, pour sauver le jaune, parce que. Ouais. Il ne nous aura pas servi sur l'intercepteur. Eh ben, on pouvait pas savoir. Impose-toi. Mais non, je suis tranquille, moi. Je suis la roue de secours, tu vois. Hop. Belboula bis. Il veut qu'on le relève en Belboula bis parce qu'il fait des attaques de merde. Aïe aïe aïe. Merde. Oh, j'ai fait de la merde. Pardon, vous allez bien? Quel langage fruité sur ce stream. Pourquoi la caméra se décale? Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur est possédé. Oh, ouf. Oh là là, bah, c'est un autre Vulture qui meurt. Oh, c'est le rose, dites-moi que c'est le rose. C'est le rose. Hey, tu vois, il va le regretter d'avoir fait le Golio à bumper partout. Voilà, j'ai lâché un petit chat, je me suis permis. Excusez-moi, messieurs, dames, mais là, il s'agissait d'un cas de force majeure. Le chat est parti. N'hésitez pas à mettre l'emote explosion dans le chat pour signifier votre contentement. Et là, mine de rien, Yannick a repris 44 points. Bon, d'accord, ok, très bien. Voilà. Oh, on a quand même une esquive à faire deux. Si le rose est mort, Yannick gagne, non? Il y a un théorème comme ça. Alors, Blinded. Et on n'a pas une attaque incroyable, on va rien en faire. Je crois que c'était la dernière attaque.
un tour 100% Yannick. Mais bon, malheureusement, le prochain... Ouais, il reste le faucon, hein. Si le faucon fait très mal... Ah oui, c'est vrai, absolument. Il reste le faucon. Ah ouais, le faucon juste avant de passer à travers l'astéro et de mourir dans d'atroces souffrances. Un petit troisième one-shot. Qui c'est qu'on attaque? Ouais, c'est pas impossible, il y a 3D. Ah, il faudrait un superbe 3 touches d'office. Et 2 blancs. Ouais. 2 blancs côté défense. C'est ça. C'est pas impossible. C'est peu probable, mais ça... On en a déjà vu. On a déjà vu, ouais. On sait que ça existe quelque part. Non. Et non, pas du tout. Ça peut tuer Globule. J'aime bien quand les gens commencent à parler avec les noms qu'on a mis, c'est incroyable. C'est clair. Alors là, je pense que le prince ciseau avec un 3 tout droit. Mais qu'est-ce que tu penses de la manœuvre du capitaine Freezer? Quid de c'est la guerre? Ah, eh ben au moins on rigole. Du coup, voilà, il va mourir là le faucon dans tous les cas, donc ça c'est cuit. Donc là il reprend combien de points? 47, 24 points. Ouais, 23. Ouais. 85 points. Oui, d'ailleurs au passage, messieurs, dames... Attends, non, je vais pas le mettre quand même, mais juste regarder. Ça lui donnerait une... Ils ont passé à 84, ouais, c'est ça. Hop. C'est ça, c'est finalement l'écart, ouais, l'écart. L'écart a été diminué par la prise de ces deux vultures, hein, qui... Bon, j'y crois toujours, mais qui peut coûter cher à Zeran, à un moment donné, peut-être. Hein, un peu. Parce que son prochain tour est compliqué, il va devoir en retourner quelques-uns de ses vultures s'il veut attaquer... peut-être tous. Il suffit que Xizor one shot, je sais pas de quelle manière, mais le tridroïde, c'est 7 points. Il reste les torpilles avancées, donc pourquoi pas. Le fait qu'il ait perdu deux vultures là, ça peut être contraignant. Ouais. Oui, parce qu'on peut même se replacer sans utiliser son tonneau, vu qu'on a le post-combustion, donc on pourra essayer de se replacer un minimum pour essayer d'avoir le tridoïde, par exemple, ou à la limite un vulture ou DBS. Et c'est clair, et chier dans le vestiaire, hein, s'il me fait perdre le... Verrouiller. Ah, ouais, verrouiller, tant pis avancer. Ça va chier dans le vestiaire, aïe aïe aïe. Je vous mets le gif du rose un peu. Hein. Allez, c'est trop bon ce gif. Le Mace Window Pink. Ah, yeah. là, Golven, en sachant qu'il y a le patron qui commente, il est un peu comme ça. Hein. Alors, tu l'as trouvé où ce gif? Parce que c'est un gif de Golven ou c'est toi qui l'as trouvé? J'ai tapé Pink sur le gif et c'était le premier truc qui est venu. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. J'ai vu la tronche à Windu. Ah, c'est celui-là qu'il faut. C'est parfait. Ah là 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 là. Ce cher Samuel L. Jackson. On n'est pas bien payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Quoi, t'as rien qui sont payés. Je dirais pas ça comme ça. Alors, mais dites-moi. Et j'ai l'impression de me faire enfler, moi. Après. Ah oui, YP. Qu'est-ce que ça veut dire, YP, calamar? Je vois pas du tout. Oula, oula, laissez-moi vérifier que la diffusion est en 18+. Chipolatin. Chichichi, popo, la tata. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Chichipocatin, mais oh là 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 là. Est-ce que c'est un rendez-vous dans un pub à chaque fois que Zeral joue en live ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus déchirés à chaque fois. C'est dingue, hein. Ah oui. Ah oui, Théo Lavabo, ça y est, oui, effectivement. Oui. J'ai oui cette chanson via Monsieur Coco. Monsieur Harry Coco. Pas déçu du voyage, hein.
Ah. Quoique. Ah. Enfin, content d'être arrivé quand même à un moment donné. Pas déçu du voyage, mais content d'être arrivé. Aïe, 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 c'est ban direct. Tu veux pas qu'arrête. Oh là 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 là. Ok. Vous êtes. Vous êtes. Comme dirait Pascal. Je pense donc que je suis, ce n'est pas Pascal évidemment. Mais voilà. C'est. Ça pensait cartésie, ça donne des cartes, j'imagine. Tout à fait. Et des cartes, il y en a aïe, aïe, aïe. Tout plein du côté de Yannick. Des cartes de débat. C'est l'émotion d'entendre le patron, mais putain, mais c'est pas possible. Et je vais le faire venir plus souvent, hein, si ça vous met en émoi comme ça. Premier moyen de se retourner, voilà, on ne trouve plus les stress parmi les calculs. Il avance seulement le calcul. Quel relou, il aime tous les tokens sur le temps. Oh, vous inquiétez pas, on a quand même l'horloge, il reste 22 minutes. Tout va bien. Mais ça, c'est comme si c'était pas les séparatistes qui jouaient le temps. Alors écoutez, je peux pas laisser dire ça. Je peux pas laisser passer ça. Et calcul. Cœur saigne. Faire ban. Ouh. Oh, ça passe. Ouais, c'est un bon mouvement aussi. Hein. C'est joli, mais en fait. On prend ta sorte Exisor. On prend un deuxième calcul, eh oui. On veut aller chercher le frère ciseau là. Mmh. On remonte le niveau, mec. You touch my tralala. Mmh. My ding ding dong. Merci Raphaël. Allez, et le faucon qui décède donc en ayant choisi de passer à travers l'astéroïde et de ne pas y aller tout droit. Oui, c'est ça. De faire le lot complet, quoi. Exactement. Je meurs selon mes règles. Mais là, il faut prendre 3 critiques, hein. Alors, un petit directit. Alors, par curiosité, il reste 19 cartes dans le paquet de Yannick. Et voilà. Ah, il faut prendre donc le directit, ensuite une carte de plus révélée. Donc c'est un Hellbridge à nouveau, il faut prendre 2 crits supplémentaires. Bon, peut-être qu'ils vont pas le faire, mais... Il a reçu un message du patron, il s'applique. Putain, mais c'est... En temps normal, il faudrait prendre 2 crits supplémentaires. Oh. Ouh. Putain, mais... C'est... En fait, tu vois, c'est Nebal qui me fait penser à ça. Nebal, l'autre jour, il fait... Moi, j'arrive toujours à être émerveillé par des gens qui reculent. Tu vois, des vaisseaux qui reculent. Bah là, moi, à chaque fois qu'il y a un retourné... Oh. Ouais. Ça me fait exactement le même effet. Et il n'a pas se loupé, sinon ça aurait été l'occasion de... Exactement. Allez-y, quel enfer. Quel enfer, Mr. Bond. Où sont mes chocolatines? On assiste à de super beaux mouvements. Ah oui. La série du poil de cul. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, je vais vous montrer quand même. On a quand même... On a plein de poils de Wookie sur le terrain, veuillez enlever tout ça, s'il vous plaît. Ouf. Ah oui. Ah c'est... Et ouais. Et ouais, on a la post-combustion, on a éventuellement le tonneau... On est pas mal, hein. Smoke Sloopy Everyday, oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ouais, Xixor qui est pas si mal placé que ça au final. Ouais. C'est-à-dire qu'il lancera pas la proto de suite, quoi. Non, 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 non. Même le maraudeur, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, finalement, le maraudeur, il va prendre quoi? Une attaque du rouge, et ce sera tout. C'est ça. Et Xixor, s'il fait sa post... Ah non, il peut pas post-combustion, parce qu'il est allé à 2. Donc Ah, mais que du 2. Ah oui, donc là, d'un coup, c'est beaucoup plus difficile. Après, si tu sors de l'arc du tri, honnêtement, t'es déjà pas trop trop mal. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que... Mais là, il peut pas. Ah, ben... Ah si, il peut boost quand même, il peut quand même boost naturellement, effectivement. Il a pas de calcul là, DBS.
Alors attends, je vais te dire ça. Si, il en reste, il en reste un. Ouais, bah faut surtout qu'il se méfie de ça parce qu'il va lui faire faire un tonneau. Ouais. Il sortira pas de. Ah ouais, bien vu. Bien vu. Il m'a déjà assez. Il m'a eu comme ça déjà. Regardez-le, il est en train d'avoir la souris au bon endroit. Alors déjà, on va lancer le buzz avec le droïde vert. Boom, donc. Et là. Coup dur, c'est un crit sur Xibor. Et il aime pas ça, hein. Il aime pas prendre des dégâts dans ce cas-là. Surtout que là, il peut pas les refiler à ses potes, donc. Xizor qui vaut 79, si je me rappelle bien. Donc ouais, c'est ça. Xizor qui vaut une blinde. Hein. Ça passe pas. Ah si. Ouais, si apparemment ça passait. Ouais. Ça sera sur le bouclard, ça va encore. Ah, si, il prend pas de dégâts, mais est-ce qu'il va pas en prendre un quand même? Vu qu'il y a l'attaque du tri quand même, comme tu disais avec le tonneau, voilà. Oui. Bah c'est ça. Aïe aïe aïe, et oui, et voilà. Et là, c'est le drame. Ah, ça y ressemble là. Ça commence à y ressembler. C'est vrai que plus j'y pense, plus je me dis qu'une coordination si tard, hein, c'est très fort. Il lui fait un boost? C'est super fort. C'est ouais, si fort, si tard dans l'activation. Ouais. Et ouais, oui, c'est peut-être pour lui faire donner un autre calcul. Ouais, mais dans ce cas-là, tu déstresses pas très très bien, et en plus de ça, au prochain tour, t'es pas bien placé. Je comprends pas tellement et... le... Non, il ne le fait pas, donc il a préféré boost. Peut-être que c'est pour le placement. Ah ouais, mais regarde, au prochain tour, si tu veux continuer à suivre Xizor, tu fais un inséré, mais le inséré, tu peux pas clear parce que Xizor, il sera là, quoi. Ah oui, Xizor est VP supplémentaire, oui, c'est vrai. Étonnant. Étrange. Alors, Xizor, justement, sur DBS, il y a du critique, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a plus de calcul hein, du côté de DBS, donc ça, au moins, c'est un avantage. Pour Yannick. Ouh. C'est souvent ce qui se passe hein, sur Console Fire. Oh, pas le plus agréable. Hein. Ouais, c'est chiant. Hein. Touche. Oh là là. Plutôt efficace finalement cette attaque. Hein. Oui, oh, oui, oui, regarde ce que tu lui fais prendre, c'est pas mal. Alors, DBS du coup sur Xizor. Rien du tout. Ah, on a le tri par contre. Ah putain, mais si, mais voilà, c'est ça. On aurait pu l'appeler le tri. Le tri, c'est genre le tri écologique, oui. Le tri sélectif, ouf, voilà, c'est ça. Oh, et on a une relance. Et oui, ah, parce qu'il y avait déjà un verrouillage. Eh bien, voilà. Oh, yes. Touche, crit, crit. Touche, crit, crit. Et il restera plus qu'un point de vie à faire sur Xizor pour le terminer. Damaged Engine. Oh, les Star Reapers ne sont pas contents. Le tripoteur, putain. Et Weapons Failure. Ouf. Il me semble que Xizor avait déjà perdu son bouclier, non? Non. Non. Non, d'accord, ok. Bon, je dis des bêtes. Ah oui, donc il reste... Oui, non, ça serait... Il reste qu'un dégât à faire sur le vaisseau. Merde, c'était quoi le premier qu'il a pris? Damage Engine, c'est ça. Et ensuite, et encore 6 points, 6 points directs sur le critique du. Ah oui, du c'est base. Vrai. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai que ça peut suffire. Alors, le maraudeur. Ça sonne le glas, je pense. Je pense aussi, ouais. Parce que là, le maraudeur seul, autant que Xizor seul, c'est compliqué, mais il y a des choses à faire. Autant le maraudeur seul, bon, là, c'est. C'est champagne pour Golven, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Eh, ça fait une bonne attaque quand même, je sais pas qui c'est qu'on a attaqué, il y a 3D donc. Comment ça il y a 3D?
c'était le rouge. C'est l'attaque de du maraudeur du coup sur le vert, sur l'orange je crois. C'est pas possible, 3D. Ah ça doit être sur le rouge qu'il a ouais. attaqué. Ouais étonnant. Ah ouais parce qu'il avait déjà 2 PV, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Allez, une portée 2. Rien du tout. Il n'y a plus de calcul disponible s'il y en a un. Faut choisir de consommer, on ne le fait pas. Et là, on va le faire, je pense. Ah, on va peut-être... Ou alors, on va peut-être choisir de garder les calculs avec Kraken aussi pour l'économie d'action. Non, on dépense. Ah oui. Ah, quoi qu'il en soit. Si on peut mettre un dégât, on est tranquille. Hein. Non, ça ne va pas arriver maintenant. Ah non, il a le focus, effectivement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être essayer de... Ah non, parce que je pense que quand on a eu l'arc du vert sur Xixor, on a vu qu'on n'avait pas le trichasseur à portée 1. Il reste une attaque. Rien du tout. Ah, dommage. Il reste quand même le critique du buzz. Ouais. Wounded Pilot. C'est pas bon, ça. Et là, faut faire attention parce qu'on pourra pas faire 20 actions. Hein. Si on fait un boost avec la post-combustion, on peut peut-être se stresser. Non, si on non, ça marche pas comme ça. En fait, quand tu fais une action liée, tu vas faire ton boost puis faire ta concentration, ou faire ton tonneau puis faire ta concentration. Et suite à ça, tu vas lancer. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu vas lancer un dé pour chaque action que tu as faite. Et dans le cas de la post-combustion, non, c'est d'abord la post-combustion. Mais par contre, effectivement, la post-combustion, oui, tu le ferais à ce moment-là. Avant. Oui, apparemment, ça marche comme ça. J'ai eu ouï dire que ça marchait comme ça. Damage engine, weapons failure et wounded by the bug. Damage engine. Ah, il a une sale gueule, hein, le pauvre prince ciseau là. Là, tu vois Lone Wolf. Ouais. Je suis pas convaincu. C'est vrai. Est-ce qu'on aurait pas mieux fait de prendre Intrépide, qui n'aurait pas servi cette partie non plus, cela dit. Mais je me pose la question, oui, non, là, il ne l'a pas utilisé parce qu'il était trop près. Donc, ouais. Oui, là, il était clairement à portée de son pote, le maraudeur. ...124 à 44. Finalement, les seuls points marqués auront été sur le tour un peu de... un peu sur le ventre mou, finalement, de Golven, quoi. Voilà, et ce sera bientôt 39 points supplémentaires hein, pour Zeran, donc... pour Golven, donc... Ah bon. Non, on avait fini la manœuvre, mais on bump quand même. C'était bizarre comme. Ça devait être la position parfaite qui t'autorisait à la fois de finir ta manœuvre et de bump. Chose que l'on ne voit pas souvent. Alors, un calcul pour le rouge qui, lui, ne s'est pas retourné. Et c'est maintenant à Yannick de bouger. Ce genre de choses qui en soi est presque impossible en partie réelle, hein, c'est-à-dire pour être aussi précis que ça, c'est impossible alors que sur TTS, ça l'est quoi. Déjà 80 à rattraper, c'est difficile, mais là si Zeran élargit l'écart, c'est mort. Ah bah là, si Xixor meurt... C'est déjà mort, je pense d'ailleurs. Oui. Sans être pessimiste du côté de Yannick, malheureusement, les possibilités de sortie sont très peu nombreuses. Et le maraudeur qui n'aura pas de tir ce tour-ci. Qui ne déstresse pas non plus ? Ça m'étonne. S'il faudrait qu'il déstresse, hein. Je t'invite peut-être à changer de couleur, à aller leur enlever le stress, si jamais. Ouais. Je sais pas si ça aura beaucoup d'impact, mais je vais leur enlever.
Il va être obligé de tout noter. Ouais, c'est ça. Le logiciel fait prendre de mauvaises habitudes. Est-ce que Lux s'est dit ça sur l'étoile de la mort? Non, je ne crois pas. Faut prendre l'intercepteur et le bombeur sans rien perdre. Ce qui est compliqué quand même. Ce qui est vraiment très compliqué. Bah, le maraudeur, il va faire déjà une sale gueule à la fin du tour. Il y a des chances, oui. Deezer qui a bougé là, est-ce qu'il a toddlé? Est-ce qu'il a fait son action? Pas encore. Pas d'action encore. Ah, là, il faut toddler sinon Deezer meurt donc. Ah bah là, de toute façon, le choix est vite vu. Hein. Le choix, c'est qu'il n'y a pas de choix. Peut-être qu'on hésite pour la post-combustion. Mais ça veut dire qu'on a une chance sur deux de pas faire le tonneau derrière. Hein. Et puis il a même pas fait un 3. Ah oui, il a pas fait un 3 non plus, pardon. Non, j'ai. Pardon, tout à fait. Non, mais il peut. Non, c'est vrai, tu as raison. Oh, c'est un. Ah, Target Lock. On n'est pas à portée, hein, là, si. On est à portée, hein. Ouais, peut-être que. Je sais pas, peut-être qu'on se prend un kiff, mais c'est vrai que là, ça veut dire que Xizor meurt. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de lancer la torpille. Xizor meurt, c'est cher. C'est très cher. C'est une potentielle pour perdu. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, c'est un petit kiff perso. Et. Non, portée 2. C'était un peu short. Ouais, cela dit, ça fait une attaque qui est déjà pas dégueu. Eh non, il restera pas dégueu. Et ça va faire un critique de plus. Un crit de plus, sachant qu'il y a la console fire. Oh, structural. Ah, structural damage. Après, il n'y a plus d'attaque à prendre, donc au final. Structural. Est-ce vraiment si impactant que ça? Mais il faudra pas oublier la console fire surtout. Eh, le trichasseur qui ne voyait pas. Ne voyait pas Xixor. Pourtant, à noter tout de même. Ouf! Joli. Et pas joli. Touche crit sur le maraudeur. Aïe aïe aïe. Et un structural. Et là, par contre, ça va avoir de l'impact. Qui lui reste que 2 PV. 2 PV et plus qu'un D. Waouh, bah c'est fini. Oui, c'est fini. Ah bah en fait, c'est même carrément la fin de la partie de toute façon, puisque Xizor est. La partie est terminée, oui. Ouais, Xizor va donc prendre son petit critique et mourir. Et c'est un 200 à 44. 70. 70. Quoi? Ah oui, parce qu'on a pris la moitié, oui, non, pardon, parce qu'on a pris la moitié du bon bras, tout à fait. C'est beaucoup. 200 à 44. 70. 70. Pourquoi 70? hop là, je vous affiche le dernier Damaged Engine. Putain, il les aura tous piochés, quoi, c'est incroyable. Bien joué quand même aux deux joueurs. Bravo, oui. Chat en folie encore une fois. je vous propose qu'on aille les rejoindre. Mais bien sûr. Absolument. C'est parti. Ouais. Ah bah voilà tout. Touloum, touloum, touloum. Deux. Il manque le patron. Et le papy, c'est et parfait. Voilà, le patron. Ah, bravo Golvin. Ah, y'a un Kiras qui a pris cher. Je pense que celui qui a dû se retourner dans sa tombe, c'est Han Solo avec son cocon. Hein. On sait qu'il est descendu à un PEV dès le premier tour, plus un Kiras. Ah, mais j'ai très mal joué. Ça a piqué. Ça a très piqué. Oui, bon, après, il y a eu des bombes. En plus, les dés n'ont pas été mauvais non plus, hein, côté Golven. Donc... Mais il avait toutes les modifs, chose que tu avais pas forcément, parce qu'il y avait le bump. Mais ouais, ça a coûté cher direct, quoi. En vrai, je suis à moins 1. Ah non, c'était pas dans le côté abusé, parce que t'as les modifs. Ah oui. Non, c'était pas dans ce sens-là.
Mais en fait, j'ai eu les bourdés au moment, c'est surtout ça. Ouais, surtout l'attaque du rouge qui met le Kiras qui a un boss sur lui à un PV. Bah vas-y, bah, en fait, j'ai plus besoin de m'occuper de toi. Non, mais après, en plus, ça inclut dans la stratégie de la compo de Yannick le fait que t'es pas l'initiative. Déjà, tu partais avec un sacré désavantage quand même, Yannick, là-dessus. Non, mais j'ai fait une grosse boulette parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu que je pouvais tourner parce que j'ai les buzz droïdes, enfin les dégâts automatiques, c'est quelque chose qui me casse les pieds en général, et donc du coup j'ai laissé le YT devant pour essayer de limiter la casse, et en fait j'aurais dû le virer du milieu pour permettre aux autres de passer, et je l'ai pas vu, hein. Très clairement je l'ai pas vu. Mais non, c'est une belle partie malgré tout, quoi. Mais c'est vrai que ça a été assez violent de voir un Kiras plus un faucon, un PEV au premier tour. C'était une catastrophe. Quoi? Ça a fait mal. Ouais. Bon, et on a quand même 3 NS qui vont être 4-1, 4-1 et 5-0. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, ah, mais y a que 5 rounds ? 6. Ah, voilà, donc attends un peu, Benoît, avant de. Tu es la victoire. Et tu me lâches 10 subs comme ça sans rien dire en plus. Ouais. J'ai pas dit qualifié, j'ai dit à 4-1 et 5-0. Le mec, mais le 5-0, c'est moi, attention. Bienvenue à Seido, Wrecker, l'embrouilleur. J'ai même pas dit qui. Ah, Yannick qui a eu un. Ouais, c'est vrai. Nick a eu un petit sub aussi. Luffalu Facus, Skymish, Roliaco, Zubial, Giovanni, les EX Week Debrief. Bravo à vous. On réglera ça sur les tapis. Les heureux possesseurs de sub, grâce à notre ami. Quand tu veux, où tu veux. Maintenant là. Tout de suite. Avec les vaisseaux qui me restent. Avec les vaisseaux qui me restent, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Putain, Rose qui est encore mort juste après que t'aies parlé. Horrible. C'était même pas pour une règle là, c'est juste tu t'as dit un truc et bam, il est mort. Il y a une malédiction, hein. Il y a clairement une petite malédiction. Faudrait peut-être que ne pas parler. Enfin, ne rien dire. Ok, on essaye si tu veux, ouais, pas de soucis. Ah, le Rose, oh non. Bon, et puis merci pour les 10 subs hein, quand même, hein, parce que. Tu sais, sponsor. On sponsor les meilleurs de toute façon. Nous. Ah, la partie est terminée. Bah oui, la partie est terminée. Ça merci Necrobob pour le sub, super gentil à toi. Ah oui, je cachais un peu avec mes calculs. Non. Non. Non, pas tout ce que vous faites. Hein? J'ai pas vu. Ah, vous avez pas vu? Ah alors, oui, pourtant, ouais. Les gens veulent revoir le gif du rose. Hein? Y'a un gif du rose? Non. Ah, y'a un. T'as fait un. Hein? Ah oui, tu l'as mis sur le truc. Ouais. À la demande populaire, je n'ai plus que ces deux. Ah, c'est bien, tu vois, j'instaure. J'instaure des lois, la loi du rose. Exactement. C'est vite fait comme ça, un petit papier, paf. Putain, bon. Non, mais c'était cool quand même comme partie. Ah, c'était très chouette. Jusqu'à l'hécatombe, au début on parlait. C'est la deuxième partie que je fais contre les droïdes, donc voilà quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Donc au niveau anticipation de leur mouvement, c'est à peu près proche du néant, quoi. Ouais, parce que rien que quand je me suis retourné et qu'après j'ai fait mon 2,90 et que je me suis retourné avec les verts et les oranges, ça il l'a pas vu, et pourtant quand tu affrontes des séparatistes, c'est un classique de faire ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui. Ouais, non mais comme je te dis, hein, c'est la deuxième partie que je fais, ouais. Et la première partie, j'ai joué contre un mec qui jouait tellement lentement que ça n'avait, j'ai pas eu vraiment le temps de voir comment ça bougeait, quoi.